Le patrimoine minier est aujourd'hui quelque chose d'important, avec des sites qui peuvent être classés, notamment à l'UNESCO avec les corons du Nord, et de nombreux musées, tout un processus de patrimonialisation, de recueil de témoignages qui sont écoutables, consultables dans différents de ces musées, des maquettes, conservation de chevalement et tout. Mais ce n'a pas toujours été le cas. Ça a vraiment émergé dans les années 80. Avant, les bassins miniers qui avaient fermé plus tôt, parce que dès 49, il y a les premières fermetures de mines, et puis d'autres mines qui vont fermer progressivement, 1959 Champagnac, après dans les années 60-70, ça s'accélère.